Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous vous parlions la semaine dernière du pilote Terada et de sa chance extraordinaire. Il semblerait que sa chance l'ait quitté, puisqu'il a été victime d'un terrible accident. Nous ne connaissons malheureusement pas son pronostic vital. Le pouvoir d'achat est en hausse, de plus en plus de gens souhaitent emprunter les jump points pour faire du tourisme. C'est pour cela que jeudi, l'Office du tourisme de Stanton a publié une vidéo expliquant tous les détails de ses points de saut. Donc n'oubliez pas, si vous voulez voyager en toute sécurité, suivez bien le flot de particules exotiques. Vendredi s'est tenue une conférence de presse avec John Crew et Paul Jones, tous deux représentants du service des mines. Ce sont eux qui donnent l'aval aux constructeurs pour la mise sur le marché des vaisseaux. Commençons donc par les vaisseaux qui n'ont pas encore reçu l'autorisation. Il s'agit du Polaris, du Banu Merchantman et de l'Endeavor. Concernant le Redeemer, le service des mines a émis des recommandations. Aegis, entreprise responsable de ce vaisseau, va donc le transformer en gunship, abandonnant le côté transport de troupes, qui ferait concurrence aux Valkyrie et aux Vanguard. Le Karak ayant déjà passé tous les contrôles, Anvil ne pourra plus modifier son design en profondeur, même s'ils ont bien entendu les retours des acheteurs. Ils ont par contre annoncé des projets pour l'avenir, comme l'ajout d'un module scientifique qui pourrait être détaché et posé au sol. Bien sûr, cela ne sont que des spéculations. Le Hercule de chez Crusader, qui est déjà en production et planifié pour l'année prochaine, ne sera disponible que dans sa version de base, les variantes demandant plus de temps pour être travaillées. Le Maul que vous aurez bientôt entre les mains sera pleinement fonctionnel et plus puissant que le Prospector. C'est tout du moins ce qu'affirme le constructeur. Beaucoup de propriétaires de Caterpillar se sont plaints que les portes latérales ne sont pas pleinement opérationnelles. Drake assure travailler sur la question et est en relation directe avec les ingénieurs du ULC afin de trouver une solution pour que les portes puissent aller jusqu'au sol. Toujours concernant les vaisseaux, EZ Habitation souhaite proposer un service de voiturier, vous permettant d'avoir votre véhicule terrestre directement à l'intérieur de votre vaisseau, sans avoir besoin de le chercher vous-même. Aucun accord avec les stations n'a été signé pour l'instant. Il faudra donc attendre encore un peu. Une association de consommateurs a porté plainte contre les différents constructeurs, qui ne laissent pas les propriétaires remplacer eux-mêmes les composants de leur vaisseau. Ils ont eu gain de cause. Il ne reste plus qu'à attendre que les outils nécessaires soient fournis aux différents propriétaires. Mais cela va prendre encore du temps. Autre changement, les constructeurs auront aussi l'obligation de permettre aux citoyens de faire leur plein à l'intérieur d'un autre vaisseau, plutôt que de passer par une station. Maintenant, un petit point météo. La météo qui était annoncée très calme pour décembre va finalement être tumultueuse et vous devriez rencontrer des tempêtes de neige, de sable et de poussière à travers tout Stanton. Ce week-end, nous étions à Nantes pour un rendez-vous citoyen. Je vous laisse donc sur ces images et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bisous des étoiles. Bonsoir à tous. J'ai la chance d'être en présence de Dayoum, à qui j'ai l'opportunité de poser quelques questions au sujet de Microtech. Donc on va commencer tout de suite. Dayoum, vous êtes connu pour votre esprit visionnaire et votre capacité à voir dans l'avenir. Et comme l'embargo sur Microtech va bientôt être levé, de nouvelles opportunités de travail s'offriront à nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on aura comme opportunité de travail ? Alors moi, en ce moment, je fais surtout du cargo. Je suis censé faire de l'exploration, mais à cause des limitations, on va dire, de distance liées à Stanton, je me réserve au cargo. Et Microtech, ça va nous donner plus d'opportunités pour avoir des ressources différentes à vendre, on va dire. L'entreprise produit principalement des composants pour les ordinateurs de bord des vaisseaux, donc des composants normalement technologiquement élevés et peut-être plus chers avec un meilleur prix de revente, on va dire. À voir si sur Hearthstone ou autre part ça pourrait mieux se revendre. Normalement, ça devrait être Crusader, mais je crois qu'il y a aussi un embargo à ce niveau-là et des limitations d'accès. Donc peut-être que les opportunités maximales arriveront plus tard, mais au moins ça devrait donner plus de possibilités niveau cargo. Surtout que pour l'instant, ils sont encore un peu méfiants. Ils veulent ouvrir juste la planète et pas encore la ville, parce qu'ils ont, je pense, un peu peur des nouveaux arrivants qui pourraient arriver. C'est aussi un problème de criminalité aussi. On a entendu beaucoup de messages étranges à Port-au-Lissard. Il y a pas mal de pirates dans la zone, ce qui est assez étrange pour un système affilié à l'UE au final. Donc ça, je dirais que ça vient de là. Donc, surtout que la CEO de Crusader Industries nous avait dit que tout allait très bien et qu'il n'y avait aucun problème de criminalité. Ouais, aucun problème. C'est pas ce que je vois quand je me fais intercepter en Quantum. Hein. Mais bon, heureusement que mon freelancer dur a des bons canons. Il semblerait que Météo Stanton nous annonce des avis de tempête pour le mois de décembre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, mais pour Microtech, ça ne m'étonne pas.
parce que bah, Terraformation qui a foiré, hein, donc ça explose un peu l'atmosphère. Et est-ce que vous pensez justement que ça va changer quelque chose pour les pilotes de transport? Est-ce qu'ils vont faire plus attention à leur voyage sur les planètes? Obligatoirement, oui. Même si ça dépendra au final des vaisseaux et de la puissance des moteurs de manœuvre, possible que ça affecte. Ce sera à voir, parce que j'ai pas tant piloté que ça dans des tempêtes, surtout dans l'espace, donc on verra, on testera, et on évitera de se prendre le sol, parce qu'un vaisseau, c'est quand même cher. Très bien, merci pour vos réponses, c'était un plaisir de vous interviewer, et je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Alors, bonsoir Maxime Lisoire, merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes un peu l'homme de l'ombre dans la famille Lisoire, on vous voit plus rarement devant la caméra. Oui, je suis moins public que mon frère. Et quel est exactement votre rôle justement dans les vidéos autant scientifiques que Star Citizen? Alors, du côté de Star Citizen, puisque ça a commencé par là, il faut savoir qu'on a démarré par Star Citizen à travailler avec Hugo, je fais essentiellement de la traduction, c'est-à-dire actuellement on sort plus qu'un format hein, sur la chaîne qui est dédiée à Star Citizen, qui sont des traductions des ISC. Et moi je m'occupe de la traduction, c'est-à-dire je regarde l'ISC, je prends un texte à Hugo et comme ça Hugo peut doubler et monter. Et sur l'autre chaîne, puisqu'on a aussi une chaîne de un petit peu de vulgarisation d'actualité spatiale, là du coup c'est plus un travail de recherche et d'écriture, puisque je reprends un peu le même rôle, c'est-à-dire j'écris tous les scripts, mais là du coup c'est pas de la traduction, c'est vraiment de la création, on part de zéro, on part des actualités, on part de commentaires, on part de plein de choses. Et du coup j'écris les textes qui puisque la chaîne est très écrite. Les textes de la chaîne. Et qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir au niveau des chaînes? Est-ce que vous avez des projets en tête pour le futur? Alors on a tellement de projets. Le problème c'est de trouver le temps de les faire. On a discuté de nouveaux formats, d'aller voir, de faire des déplacements. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. D'aller couvrir des choses vraiment. Alors on a commencé à le faire cette semaine même. Au cours du dernier année, on a commencé à parler d'une entreprise qu'on a suivie personnellement depuis maintenant quasiment plus d'un an en fait, un an et demi quasiment. Et on aimerait bien faire ça plus. Alors on commence à être en contact voilà, avec Ariane, on shoot un petit peu des mails à droite à gauche du côté de l'ESA et tout, pas encore SpaceX, peut-être un jour. Et on aimerait bien faire un peu plus ça. Le problème c'est qu'on n'a pas tant de temps de libre que ça, donc alors soit il faudra qu'on choisisse de réduire le nombre de formats qu'on fait et puis se donner cette opportunité de faire des... maintenant qu'on a un peu ouvert des portes, de faire des vrais reportages, de se déplacer, voilà, d'aller interviewer des gens. On pense aussi peut-être plus des formats d'opinion. C'est aussi quelque chose qu'on se disait qu'on pourrait faire. Voilà, on a 12 000 idées et pour l'instant, on n'a pas le temps, donc ça avance pas. Et quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous pensez du chemin parcouru par rapport à la chaîne? C'est quelque chose qu'on doit faire plus souvent. C'est vrai qu'on est aussi le nez dans le guidon un peu tous les jours, toutes les semaines. Et c'est les soirées comme ce soir, parce que là on se retrouve auprès d'un événement qui est plus lié à Star Citizen et qui fait un peu référence un peu au début pour nous. Et ça permet de se rendre compte de tout ce chemin parcouru et waouh, quelle aventure! Ça permet de garder le contact avec la communauté qui était là dès le départ. Et quelque chose qu'on aimerait plus faire aussi, c'est vrai qu'on a... On a peut-être moins de liens avec la communauté qu'on voudrait. C'est quelque chose qu'on avait commencé à essayer de faire avec l'espace commentaire, où là, vraiment, on prenait des questions directement de la communauté. Et qu'on aimerait peut-être plus faire sous d'autres formes, peut-être plus de live liés à l'espace, mais encore une fois, c'est... faut trouver le temps, quoi. Merci pour toutes ces réponses, c'était vraiment très intéressant et merci pour votre temps. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous et très bonne soirée à vous. Au revoir. À très vite. Nous sommes toujours au Bar Citizen où l'alcool coule à flot et la fête bat son plein. Nous avons eu droit à quelques essais de pilotes qui se sont amusés à survoler Nantes pour le défi, pour gagner un peu d'alcool. Et évidemment, c'est quelque chose qui se comprend. En tout cas, les gens sont très contents. Nous avons essayé d'avoir quelques avis sur la politique de l'Empire à l'heure actuelle. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons essayé d'interviewer plusieurs personnes. Évidemment, comme vous avez pu le voir, Dayoum a accepté de nous répondre. Mais quoi qu'il en soit, c'était une soirée très instructive et très plaisante. Je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
On est devant le Bar Citizen, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. C'est une soirée qui est plutôt intéressante. En plus, on a des célébrités. Ah tiens, d'ailleurs, il y a Hugo Lisoire, on va essayer de l'interviewer. Monsieur Hugo Lisoire, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre sextape a été diffusé sur les réseaux sociaux? C'est privé, ça. C'est privé. Il y a des gens qui disent que vous avez fait ça pour que les filles soient ébahies par vos exploits. Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, déjà, j'ai pas besoin de ça. Donc, et puis, c'est vraiment la sphère personnelle. C'est pas ce qu'on dit. Coupe, 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 coupe.